Salut à tous et à tous, c'est TGK et bienvenue dans Console Légendaire, l'émission pour présenter des consoles et bien sûr des accessoires. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la Game Boy Camera. Vous allez me dire, la Game Boy Camera, c'est quoi la Game Boy Camera? Et d'autres, ils vont me dire, la Game Boy Camera, je le connais bien, j'en avais une quand j'étais jeune. Aujourd'hui, je vais vous présenter tout sur la Game Boy Camera. Je vais vous raconter un petit peu mon histoire de comment j'ai découvert la Game Boy Camera. Ça s'est passé en 2014. À l'époque, j'étais dans un vide-grenier. Et là, dans un stand, je découvre un accessoire, la Game Boy Camera. Je me dis, Game Boy Camera? Je ne savais même pas ça. Moi, je me disais, caméra, voilà, c'est peut-être une caméra pour la Game Boy. Si, ça a l'air plutôt fascinant. Je demande au vendeur à quel prix que je pourrais le prendre. Il m'a dit 15 euros. Alors, j'essaye de négocier. Le vendeur m'a dit OK pour 10 euros. Je l'achète la Game Boy Camera pour 10 euros. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de l'histoire de la Game Boy Camera. Nous allons revenir en 1996, au moment du départ de Monsieur Yupei Yokoi. Oui, le légendaire, il a fait la Game Boy, la Game & Watch. Il a fait aussi les accessoires de Nintendo et beaucoup d'autres, bien sûr, un grand inventeur de génie. Et le mentor, bien sûr, de Shigeru Miyamoto, bien sûr. Après 31 ans de service chez Nintendo, Yupei Yokoi décide de partir chez Nintendo. Il disait que Nintendo, c'était plus comme avant. C'était plus la vieille entreprise familiale qu'il avait connue. C'était maintenant l'entreprise de la nouvelle technologie. Tout ça pour faire toujours mieux et toujours plus. Que M. Yupei Yokoi disait que Nintendo avait carrément perdu le charme de la société de l'époque. Bien sûr, un jeune japonais va avoir beaucoup de mal de voir le départ de Monsieur Yupei Yokoi. Son nom, Hirokazu Tanaka. C'est lui, il a fait les musiques de Dr. Mario, il a fait des très belles musiques de Microïd. Il a fait aussi les effets sonores de Tantikang et beaucoup d'autres, bien sûr. Un sacré compositeur. Mais il a eu beaucoup de mal de voir le départ de Monsieur Yupei Yokoi. Ils ont travaillé pendant 20 ans ensemble, mais il voulait faire un accessoire pour la Game Boy. Malheureusement, son mentor ne verra jamais son projet. Après ça, le 4 octobre 1997, on découvre que Monsieur Yupei Yokoi décédera par un incident de la route. Découvre la nouvelle, il va avoir beaucoup de mal à voir la disparition de Monsieur Yupei Yokoi. Une équipe de 6 personnes va travailler sur ce projet, la nouvelle accessoire de la Game Boy. Monsieur Tanaka voulait faire un projet sur cette nouvelle accessoire. Alors, dans les années 90, au Japon, il avait une mode, les Polypora. C'était des cabines de photos japonais. Alors, tu faisais des créations plutôt incroyables avec les photos. C'était vraiment incroyable parce que les jeunes des années 90, ils adoraient évoluer leurs photos, mettre des motifs plutôt très sympathiques et faire un peu un style un peu vraiment kawaii et tout mignon, bien sûr, avec encre copine ou encre amoureux. Et bien sûr, Nintendo vont s'inspirer sur ces cabines japonais. Et c'est là le projet va commencer. Ils vont travailler sur ce projet, ils vont passer au total des semaines, des mois pour faire cet accessoire de la Game Boy, mais il y a eu un gros souci. À ce moment-là, l'écran de la Game Boy était plutôt très simple. Nous sommes en début 97 et le projet, c'était beaucoup plus compliqué parce que le graphique de la Game Boy à l'époque est vert et vert foncé. Où tu avais la version Game Boy Pocket, noir et blanc. Ils cherchaient comment ils pourraient fabriquer cet accessoire pour faire un code très simple. Comment ils vont afficher ça sur la Game Boy? Parce que la Game Boy Color n'était pas encore sortie à l'époque encore. Et j'ai lu un article sur la Game Boy Camera. Alors, ça se passe dans le livre L'histoire de Nintendo volume 4. Un article plutôt très intéressant a été raconté par Monsieur Tanaka. Il avait répondu à une interview par un journaliste. Voici son explication. Je faisais quelques expériences. J'essayais d'afficher les images de la télévision sur l'écran de la Game Boy. Je demandais que la Game Boy pourra afficher les images réalistes, 4 nuances de gris disponibles, comme par exemple. J'ai scanné une belle photo d'une femme complètement nue. Je baissais suffisamment pour rendre l'image jusqu'à pourrait rentrer dans l'écran de Game Boy. En me demandant si elle sera toujours aussi celle-ci. J'ai réalisé que le résultat était plutôt pas mal. Et tout était écrit sur l'histoire de Nintendo volume 4. Après quelques semaines de travail, il a enfin réussi. Et voici la nouvelle Game Boy Camera.
mais en version japonaise on l'appellera la Pocket Camera. Pourquoi ils ont inventé cet œil? Tout simplement ressembler au webcam de l'époque. Cet accessoire pourrait être branché sur comme la cartouche d'une Game Boy classique. Et bien sûr, Tanaka va avoir des bâtons dans les roues. Son nom, Satoru Okada. Et bien sûr, son chef, lui, il va pas du tout apprécier vraiment cet accessoire. Il fallait faire une nouvelle console et tout ça. Et lui, il était vraiment sur la technologie. Et Tanaka, bien sûr, avait fini presque son projet. Ces deux hommes vont s'engueuler un petit peu sur ça. Bien sûr, son responsable va aller voir le PDG de Nintendo Japon. C'est quand même un gros de fou à l'époque. Faire ça en Japon, ça se fait pas. D'aller voir son PDG, Urushi Maoshi. On pourrait dire le petit-fils du grand créateur de Nintendo. Et évidemment, ils vont discuter ensemble. Bien sûr, ce grand PDG, on l'appelait le dragon de Nintendo, parce qu'il avait un caractère de dragon, très compliqué de parler avec lui. Et il était très autoritaire, cet homme. Mais il était ok pour cette nouvelle accessoire, il sera révolutionnaire pour l'époque. Satoru Okada, il va pas être content de cette nouvelle, mais ce projet était déjà réalisé. Mais à l'époque, il n'y avait pas les effets de la photo ou la version miroir ou les mini-jeux, non. C'était qu'une accessoire pour prendre des photos. C'était tout. Ça faisait des images et des photos. C'était une version prototype encore à l'époque. Mais une société, Jupiter, mais cette société va développer le logiciel de la Game Boy Camera. Ils vont prendre pas mal de temps pour le faire, ce projet. Quelques mois après, Nintendo annonce la sortie de leur nouveau accessoire, la Pocket Camera, sortira sur le Space World de 97. Et la Pocket Camera va sortir février 98 au Japon. Alors là, ça commence à être un carton au Japon. L'accessoire va sortir des frontières du Japon, va aller en Amérique du Nord, va aller aussi en Europe. Cette nouvelle accessoire sera renommée la Game Boy Camera. Au moment de sa sortie, il va faire un gros carton dans le monde entier. Et après ça, nous sommes à la deuxième partie de la vidéo. Là, je vous ai raconté l'histoire de la Game Boy Camera. Là, nous allons passer à la découverte de la Game Boy Camera. Alors, avant de commencer, nous allons démarrer notre Game Boy Camera, marqué Game Freak. Et ça, je vous avais pas dit que Game Freak avait travaillé sur la Game Boy Camera. Et oui, Game Freak, le créateur de Pokémon, a travaillé sur la Game Boy Camera. Et nous allons avoir l'écran titre. Et là, je peux vous avouer que c'est là où on arrive un peu dans le sujet un peu du what the fuck. Alors, nous voyons avec marqué Game Boy Camera, Nintendo. Et là, vous voyez un Mario en train de faire danser bizarrement. Tu vois Mario carrément, il est défoncé. J'aurais jamais cru que Mario allait arriver à ce point-là. Je crois que c'est les effets du champignon. Et les effets du champignon, ça l'a pas arrangé. C'est pour ça, ne consommez pas du champignon rouge. Et même en plus, avec un fond de musique derrière complètement bizarre et carrément chelou, écoutez la musique. Le tout début du jeu, ça commence déjà bien. Heureusement, vous n'avez pas eu la version japonaise. Là, le Mario, il est plus horrible. Regardez cette horreur. Oui, heureusement, nous, on a eu la version américaine. Heureusement. Parce que quand tu vois un Mario comme ça, c'est affreux. Et c'est là qu'on commence le menu principal. Alors, on découvre Shoot, Play, View. Vous allez cliquer sur un bouton sur la Game Boy. Vous allez avoir un menu secret. Si vous appuyez sur le bouton Start, vous allez avoir un nouveau menu. Vous êtes dans l'espace. Ce menu, les photos que vous avez prises, qu'on a de temps, vous avez pris des photos sur la Game Boy Camera, votre score de jeu, vous allez avoir de tout. Mais vous allez avoir le mode crédit. Et vraiment, cette musique, elle est what the fuck. Je vais vous la faire écouter.
voyez un mec en train de danser bizarrement, alors je ne sais pas quoi dire de cette animation. Même l'animation, vous venez de voir, vous trouvez c'est un peu bizarre, carrément chelou. La musique, elle est plutôt pas mal. Et c'est une animation, il va se retourner en boucle. Après, je ne sais pas qui a inventé cette animation, comme l'animation l'écran titre. Là, on se rend compte que la Game Boy Camera va nous faire découvrir des surprises encore plus bizarres. Vous allez être sur le menu et vous allez appuyer sur Shoot. Et vous allez aussi avoir un menu d'un style un peu RPG, avec un petit personnage Krazake ou une princesse. Vous avez au total 5 menus. Vous avez le mode Shoot, Item, Magique, Check et Run. Et vous allez avoir un petit logo à côté marqué Jupiter. Et vous allez appuyer sur Shoot. Et vous allez avoir... Vous pourrez prendre votre photo quand vous êtes dans le menu Shoot. Vous avez un réglage sur la densité de la lumière, si vous voulez le mettre un peu plus clair ou un peu plus sombre. Et vous avez aussi les palettes de couleurs, mais en noir et blanc ou gris. Voilà, c'était plutôt fade à l'époque. Il n'y avait pas de couleurs. Ou on peut inverser les images à l'envers, sur le côté. Et si vous avez appuyé sur le bouton 1, vous allez avoir plein de multifonctions. Vous allez avoir le pinceau, même des tampons, des yeux, un nez de cochon, n'importe quoi. Même dans la Game Boy Camera, il a un secret. Écoutez bien, un secret sur les Pokémon. Et oui, il a des tampons de Pokémon. Et vous allez découvrir des sprites de Pokémon. Dans la version japonaise, il a un peu plus de Pokémon. Il en a au total 20 Pokémon. Chez nous, on en a 6. Alors vous avez Salamèche, Bulbizarre, Carapuce, Pikachu, Meowth, Mew. Vous êtes en train de me dire de quoi tu racontes, TGK. Regardez l'année de la Game Boy Camera. Regardez la sortie de Pokémon en France. Vous allez me dire, oui, c'est bizarre quand même. Pokémon, ils sont arrivés dans la Game Boy Camera, un an et demi plus tôt. Nintendo nous a caché des petits secrets, mais à l'époque, on ne savait pas c'était quoi ces petites bestioles. On se rend compte, 25 ans plus tard, les Pokémon sont arrivés dans la Game Boy Camera. Ils ont commencé en bas de l'échelle, comme beaucoup de personnages du jeu vidéo. Comme par exemple, Sonic a commencé comme porte-clé d'un rétroviseur dans Red Mobile, février 91. Ou comme Mario n'avait pas son jeu officiel en 1981 sur la bande d'arcade de Tantikang. Et oui, les personnages du jeu vidéo officiels, ils n'ont pas eu leur jeu officiel, mais ils ont commencé en bas de l'échelle. Ensuite, vous allez revenir dans le menu Shoot, vous allez prendre le deuxième onglet Item. Et vous allez avoir Safety Time. On peut prendre des photos à la suite avec un minuteur, comme un vrai appareil photo. Je vous ai même pas encore dit que la Game Boy Camera, son œil peut se retourner 180 degrés. C'est plutôt pas mal. Alors c'est bien pratique quand on peut prendre une photo en selfie. Et après, vous avez le troisième onglet au-dessous de Item. Vous avez Magique. Là, vous allez avoir un filtre en forme de miroir. Vous pourrez vous faire un petit peu une photo un peu comme un photomaton. Et après, vous avez aussi le style un petit peu la tête de boule. Alors ça, c'est un mini-jeu que je vous en parlerai dans quelques minutes dans la vidéo. Vous allez prendre 4 photos, il va faire comme une animation, et quand vous allez jouer en personnage, il va jongler avec les balles, le premier jeu de la Game & Watch de Monsieur Yupei Yokoi. Vous allez avoir une petite animation de votre visage. Il va bouger en même temps quand vous allez faire le mini-jeu de jonglage de balles. Après ça, vous avez l'onglet Check, mais il sert complètement à rien, c'est pour voir des photos et tout ça, c'est inutile. Et au-dessous, vous avez l'onglet Run. Et ça, je vous en parlerai un peu plus tard, parce que vous connaissez bien sûr cette histoire de la Game Boy Camera, les visages terrifiants. Voilà, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. J'ai une amie, bien sûr, elle voulait voir ma vidéo, mais elle voulait pas voir les visages. C'est pour ça que j'ai mis à part ce sujet. On va passer à l'autre menu, et dans le menu View, et vous avez le menu Album, et vous allez avoir View. Alors, vous allez avoir toutes les photos que vous avez prises avec votre Game Boy Camera. Si vous ne savez pas, bien sûr, il a 2 albums. L'album A, l'album B. Vous allez avoir des secrets mystérieux et un peu étranges avec des images sort de nulle part. Et avec le temps, vous allez débloquer tous les images les plus mystérieuses de la Game Boy Camera dans l'album B. Et après, vous allez revenir dans le mode View. Vous allez appuyer sur l'autre Show. Et vous allez avoir un peu un design un petit peu à Tantikand Junior. Vous allez avoir le premier menu, le Live Show. Ce premier menu, c'est une petite animation de toutes vos photos que vous avez fait. Vous avez le deuxième menu, animation.
Et le menu animation, c'est vous allez écouter les musiques, mais j'ai pas trop compris cette menu parce que à chaque fois j'appuie sur le menu, ça fait inconnu. Et le dernier menu, il sert complètement à rien, c'est pour voir des photos et tout ça. Et le dernier menu, c'est la version play. Alors là, c'est vraiment très intéressant ce menu. C'est un menu avec un shoot 'em up ressemblant un peu à Spetsin Render, bien sûr le célèbre jeu connu. Dans la version Game Boy Camera, on a des ennemis différents. Et à la fin, si vous allez bien vous débrouiller, un ennemi avec une tête, avec des cornes de démon. La chose la plus fascinante dans le jeu, tu peux découvrir que tu vas avoir deux mini-jeux en plus dans le jeu. Et ça, c'est vraiment incroyable. Alors, si vous allez tirer l'ennemi de gauche, vous allez avoir le jeu de ball. Et vous allez jongler le plus vite possible sans faire tomber les trois balles. Et le deuxième jeu, et vous avez la version DJ. Faire des remixes de la musique, faire un peu comme un DJ des années 90, devenir compositeur comme Tanaka. Il y a tellement de choses fascinantes dans la Game Boy Camera qu'on veut toujours apprendre des choses si vous êtes très curieux. Et ça, vraiment, c'est très intéressant. Et maintenant, vous allez revenir dans le mode shoot. Maintenant, on va parler un petit peu des choses sérieuses sur la Game Boy Camera. Le creepy game, évidemment. Si vous n'êtes pas prêt à voir cette image, bien sûr, je vous demande vraiment de passer ce timeline. Vous allez arriver après le sujet de la Game Boy Camera. Nous sommes en troisième partie, le côté terrifiant de la Game Boy Camera. Alors, nous sommes dans le mode shoot de l'anglais. Run veut dire fuir, courir. C'est un anglais, il sert à rien du tout. Une fois de temps en temps, vous allez avoir une blague sur l'Afrique, mais un peu bizarre. Vous êtes à l'équateur, Nintendo Jumbo. What the fuck, c'est quoi ce délire là? Avec une musique plutôt sympathique. Écoutez-la. Vous allez me dire, TGK, il a quoi de terrifiant sur ça? Vous allez voir. Un moment ou l'autre, vous allez essayer de l'écouter parce que vous adorez cette musique. Plusieurs fois, imaginez, vous avez 7 ans, en 1998. Alors vous allez souvent essayer de l'écouter. Mais à un moment ou l'autre, vous allez avoir ça. Et ce n'est pas la seule, il reste celle-là. Et celle-là. Oui, une tête carrément terrifiante. Et au-dessus, c'est écrit « Qui tu fuis-tu ?» Déjà, première chose, ça fout pas mal l'écheton à pas mal de gamins à l'époque, évidemment. Vous imaginez, vous avez 7 ans, vous trouvez ça sur votre Game Boy Camera, bah, vous êtes traumatisé à vie. Il y a eu pas mal de gamins, ils ont eu le même traumatisme sur ce fameux Game Boy Camera, sur ce visage bizarre. Connu pour sa creepypasta, moi j'appellerais ça plutôt un creepy game parce que une creepypasta c'est une légende urbaine ou une histoire fausse sur internet. Il faut vraiment arrêter de dire que c'est une creepypasta, j'appellerais ça plutôt une blague de développeur de très mauvais goût. Mais ils ont fait ça pour le fun en fait les développeurs. Et ils ont voulu faire peur aux joueurs, mais ça a super bien marché qu'il y a eu des chromatises. Mais en total, il y a eu 5 visages terrifiants dans la Game Boy Camera. Mais il y en a eu 2 et restés uniquement au Japon. Et les 3 autres, on les connaît aujourd'hui. C'est les versions européennes et américaines. Moi, je trouve que les développeurs peuvent nous surprendre de temps en temps. Et ça, c'est vraiment, je trouve, très intéressant. Voilà. Voilà pour ce petit secret plutôt terrifiant, un peu bizarre. Maintenant, on va passer à la publicité de la Game Boy Camera version américaine et japonaise et européenne. Et c'est parti pour Pub Games. C'est la Game Boy Camera. Et ça s'adapte à tous les Game Boy. Il suffit de prendre un copain, de lui coller un nez, le nez d'un copain, des yeux, des oreilles, ce que vous voulez. Vous pouvez les animer, les imprimer et les coller où vous voulez. Ça s'appelle la photographie. Game Boy Camera, mettez vos amis en boîte. When it's least expected, you're electric.
selected, you're the star today. Smile, you're on Game Boy Camera. It's fun to look at yourself as other people do. How's your sense of humor? There's a rumor, laughter's on its way. Smile, you're on Game Boy Camera. Yes, with Game Boy Camera, you can turn photography into funtography. Smile, you're on Game Boy Camera. ゲームボーイがカメラになる。君のゲームボーイがカメラに大変身。撮った絵をその場で見る。いろんな落書きをする。楽しいアニメーションを作る。楽しいアニメーションを作る。自分だけのゲームで遊ぶ。さらに友達と交換できる。世界で初めての遊べるカメラ。ゲームボーイポケットカメラ新登場。遊べなきゃね。ポケットプリンターも同時発売。 Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, ça m'a fait un grand plaisir d'avoir présenté la Game Boy Camera. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait console légendaire parce que depuis juin 2021, j'ai pas eu l'occasion d'en faire une autre épisode. Les gros soucis que j'ai eu l'année dernière, évidemment, avec l'ordinateur, il m'a carrément lâché. En plus, avec les soucis que j'ai eu aussi sur la chaîne YouTube, c'était pas évident. Mais j'ai eu le temps un petit peu de la faire cette année. J'étais en train de réfléchir quand je pourrais faire cet épisode. Et un sujet que je voulais le faire depuis quelques années, c'était la Game Boy Camera. C'était un accessoire plutôt, je trouvais, très mystérieux et plutôt très fascinant. En total, j'ai passé 2 semaines sur cette vidéo et j'ai appris beaucoup de choses sur la Game Boy Camera. Je ne savais même pas que la Game Boy Camera était créée par Monsieur Tanaka. Je ne savais même pas ça. Je peux vous avouer que cette vidéo m'a enrichi un petit peu l'histoire de la Game Boy Camera parce que je ne savais pas beaucoup de détails sur la Game Boy Camera. Et se dire que cet accessoire avait une histoire particulièrement hors du commun, j'ai trouvé vraiment ça fascinant. Et vraiment, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, si tu viens d'arriver sur cette vidéo, je t'invite de t'abonner sur la chaîne de The Game King TGK, la chaîne du rétro gaming et de l'anime. Et bien sûr, active la cloche pour les prochaines vidéos à venir. Et si tu as aimé cette vidéo, mets un petit pouce bleu, ça me ferait un grand plaisir. Dites-le moi par commentaire que vous avez eu une Game Boy Camera quand vous étiez jeune. Partagez vos souvenirs de votre Game Boy Camera, même les mauvais souvenirs ou les bons souvenirs. Parce que c'est aussi important de partager aussi votre sentiment de la Game Boy Camera. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était TGK, vous dit salut et à la prochaine. Pika-pi, Pikachu?